Thierry Ardisson se confie sur la nouvelle version de Salut, les Terriens et annonce le retour de Jorance Star. Le présentateur de C8 a confirmé le retour de son talk show dominical, les Terriens du dimanche, et dévoilé les changements qui attendent Salut les Terriens. Interviewé par l'UFPost, Thierry Ardisson a évoqué la prochaine saison de Salut les Terriens sur C8. 12 ans après le lancement de son émission, le célèbre animateur s'est dit prêt à une refonte complète de son talk show du samedi. C'était la dernière de Salut, les Terriens tels qu'on la connaît. L'émission sous sa forme actuelle a vécu, a-t-il confié. Pour la rentrée 2018, on va changer plusieurs choses comme le nom de l'émission, qui va cependant rester sur le thème des Terriens. La scénographie va également être repensée, toujours en gardant cette collision entre classique et punk. Au programme, des invités moins pipi promo, qui ne seront plus affalés sur des fauteuils Louis XVI ringard, mais aussi un rythme plus dynamique. Une nouvelle saison pour les Terriens du dimanche. Le Mans Noir a également annoncé une deuxième saison des Terriens du dimanche, son talk show dominical dont plusieurs rumeurs ont évoqué la suppression à la rentrée prochaine. Et pour le présentateur, impossible d'imaginer son émission du samedi sans celle du dimanche, c'est tout ou rien. S'il y a une troisième saison de Thierry Ardisson sur C8, il y a une deuxième saison des Terriens du dimanche, a-t-il affirmé. On commence à discuter, à négocier. Mais soit j'ai mes deux émissions, soit j'en fais zéro. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas qu'une. Des informations nuancées dans la journée par nos confrères du Parisien, qui précisent que d'après C8, l'émission Les Terriens du dimanche n'est pas assurée d'être reconduite, et que les discussions à ce sujet sont encore en cours. Thierry Ardisson a également annoncé le retour du chroniqueur Jorance Star, avait décidé de se mettre en retrait après la diffusion sur le web d'une vidéo intime à caractère sexuel. Il sera avec nous la saison prochaine. C'est, lui le lui a annoncé, a-t-il dit. Là encore, le site Le Parisien précise que la chaîne lui a indiqué que rien n'était acté non plus, sur ce point extrêmement sensible.